hey, okay, hey, okay, hey, okay, hey, okay, hey, okay. I'm caught up in the sickness, I rob my adversaries, but slipping left a witness. Wonder if they'll catch me or will this nigga snitch? Should I shoot his bitch or make the nigga rich? Don't wanna commit murder, but then they got me trapped, walking while I'm walking, and talking behind my back. I'm down to schizophrenic, I'm in this shit to win it, cause life's a wheel of fortune, it's my chance to spin it. Got no time for cops who trip and try to catch me, too fucking trigger happy to let them suckers snatch me. Niggas getting jealous, trying to find my stash. Rip off the nine, now I'm a dime off your ass. Need a picture pepper, but I... Bonjour à tous, ici le Goomba 80. Alors on se retrouve pour une petite vidéo sympatoche. Alors pour une vidéo direct live sur le jeu Muramasa The Demon Blade sur Wii. Alors c'est parti, on va découvrir le jeu ensemble. Alors voilà. On est déjà dans l'ambiance hein. Avec ce petit bruit de sabre. Rising Star Games. Appuyez sur... Oh, bah allez, une intro vraiment superbe, la musique magnifique. Alors, nouvelle partie. Les couleurs qui pètent. Alors, sélectionner style de jeu. Découvre facilement les ennemis, avance fermement, même si tu n'es pas pro des jeux d'action. Et là, sur Shura, pour avancer, tu dois esquiver, te défendre et maîtriser les arts secrets réservés aux braves. Alors, Musa ou Shura. Alors, à mon avis, je pense que en rose, c'est pour la fille, et en bleu, pour le gars. Hein. On va se prendre le mec. Moi cette musique. Alors l'histoire de Momotaimo, l'histoire de Kizuk. Niveau 1. Allez, on va sur celui en rose. Pandemonium The Demon Blade. Muramasa The Demon Blade didacticiel. Tu vas apprendre à contrôler ton personnage. Veux-tu commencer le didacticiel? Oui. Alors, appuie sur pour te déplacer, donc c'est un peu logique.
Donc là je joue avec le combo Knoshot Wiimote. Voilà, on se déplace avec l'analogue. Sauter. Maintien après un saut pour faire un court vol plané. Voilà, super. Double saut. Appui de nouveau sur, après un saut pour réaliser un double saut. Voilà, super. Lorsqu'il y a un ennemi, tu dégaines de façon automatique pour le mode combo. Ensuite, tu peux réaliser des attaques et d'autres actions spéciales. Appuie sur A pour faire tournoyer le sabre. Appuie plusieurs fois sur A pour un combo découpant. Appuie plusieurs fois sur A pour un combo découpant. Voilà. Je vais te découper, Randel! Voilà, on peut s'accroupir. Appuie sur A accroupi pour réaliser une taille en bas. Voilà, super. Donc comme là vous voyez des superbes graphismes, je trouve que c'est vraiment très très coloré. Ça pète. Si un ennemi est au sol, tes attaques normales ne l'atteignent plus. Tu dois réaliser une coupe basse. N'oublie pas, les attaques combo sont les meilleurs moyens de porter des coups multiples. Esquive d'urgence, quand tu es accroupi, appuie sur gauche ou droite pour réaliser une esquive d'urgence. Appuie sur... pour t'accroupir. Voilà, super. Défroyage puissant quand tu accroupis, maintiens A puis relâche pour un défroyage puissant. Je vais te découper en deux, mon petit. Alors. Bon alors. Et voilà. Alors, maintien A et réaliser un uppercut. Voilà, super, donc pour l'instant je trouve que c'est assez facile la prise en main. Alors, ça est en courant. Maintien A et appuie sur Coraline. Voilà, super. Tu peux enchaîner jusqu'à 3 tailles en courant. Coup vers le bas, en l'air, maintien A et appuie bas pour porter un coup vers le bas. Voilà. Appuie sur B pour déclencher l'art secret qui recèle dans ton sabre. Les arts secrets utilisent du pouvoir de l'âme du katana, comme l'indique la partie supérieure du centre de l'écran. En taille, lorsque cet indicateur est trop bas, tu ne peux réaliser l'art secret. Appuie sur B pour déclencher l'art secret. Super combo. Les arts secrets diffèrent en fonction du sabre. Lorsque tu récupères une nouvelle arme, n'oublie pas de révéler son art secret unique. Maintien A pour te mettre en position de parade et bloquer les attaques. Je vais te découper en deux là. Voilà. C'est dans ta tête, je crois qu'il disait ça. Le mec voulait le découper en rondelles. Bon. Voilà, donc c'est bien, on peut renvoyer ses shurikens en appuyant sur le A au bon moment. Voilà, lorsque tu pars ou repousses une attaque, tu utilises du pouvoir de l'âme. Voilà. Surveille l'indicateur bleu. Et voilà, le sabre est cassé. Super. Voilà. Si ton sabre arrive à court de pouvoir de l'âme, il se brise. C'est un véritable problème lorsque cela arrive. Pendant le combat, ta puissance d'attaque diminue et tu ne peux plus te défendre.
Pour restaurer un sabre cassé, tu dois le remettre dans son fourreau. Pendant le temps de restauration, tu peux utiliser une autre arme pour attaquer les ennemis. Ça, c'est bien, donc différent. Alors, c'est pour passer à un autre sabre. Donc là, on peut voir en haut, c'est écrit clair de lune maintenant. Un défroyage rapide lorsque l'indicateur de sabre s'allume, change d'arme pour faire un défroyage rapide. Lorsque tu utilises ces techniques, il te faut ensuite un moment pour pouvoir le recommencer. Lorsque l'indicateur s'allume à nouveau, tu peux recommencer. Attends que l'indicateur de sabre se rallume. L'indicateur de sabre pour changer. Donc voilà. Pour revoir tout ce que tu as appris jusqu'à maintenant, bat le disciple ninja. Utilise les techniques apprises. Voilà, super combo. Allez. On est déjà broyé. Boule de riz acquise. Donc on est vraiment dans l'esprit ninja. Hein. Alors, tu as gagné. Du temps, j'ai mis 17 secondes, je pense. On a des XP, donc des points d'expérience, de la monnaie, or ou cuivre, objet. Parfaitement, première victoire, des stocks de total 13. Donc on est déjà rendu à 10 minutes 57. Hein. Tes résultats de combat apparaissent à la fin de chaque bataille. Tu reçois de l'argent et un bonus XP en fonction de tes performances au combat. À la fin du combat, tu regagnes aussi l'arme. À ce moment-là, tu n'es plus en mesure d'attaquer. Enfin, en utilisant la boule de riz que tu viens d'obtenir, tu récupères ton vieux. J'ai pas le temps de lire. Utilisation d'objet, choisissez un objet. Avec la croix directionnelle, appuie pour choisir boule de riz. Voilà, la boule de riz. Alors, si l'indicateur de satiété apparaît pour un objet de récupération, tu risques de ne pas pouvoir l'utiliser pendant un moment. Lorsque tu as épuisé ton feu vital, ton personnage est battu, tu peux recommencer le niveau depuis le début. N'oublie pas de garder assez d'objets pour bien soigner tes plaies, ainsi tu ne seras jamais à court de feu vital, c'est ainsi que s'achève ce didacticiel. Non, moi j'ai envie de jouer. Voilà, c'est parti. Alors, Sagami, route de la montagne, donc c'est parti. Donc là, comme vous voyez, on peut pas utiliser le sabre. C'est seulement quand il y a du combat. Retour, donc là on peut voir qu'il y a une sorte de carte en fait. Voilà, on peut monter, c'est bien foutu. Hein. Je pensais qu'il y avait quelque chose à avoir, comme il y a un petit cadenas. Examiner. Tu t'es fait repousser par la barrière, tu as besoin d'un sabre démon plus puissant pour cela. Les barrières bloquent le passage sur la route, tu ne peux les détruire qu'en les examinant lorsque tu as le sabre démon approprié. Pour connaître les barrières que tu peux détruire, consulte capacité sur le menu lorsque tu trouves une barrière d'une couleur affichée dans l'écran. Capacité, tu es en mesure de la détruire. On va avancer. On a vraiment des décors sublimes, moi j'adore. Ah! Les ennemis, je vais swinguer 5 minutes. On va les dépouiller. Et voilà. Défroyage. Et voilà. Un au moins. Et voilà. Tu as gagné. Donc voilà, j'ai gagné la bataille. On continue. Récupérant les âmes dispersées sur la voie principale, tu peux remplir petit à petit le pouvoir d'âme de ton sabre à chaque fois que tu trouves des âmes récupérées. Allez, moi ça c'est tronc d'arbre, ça c'est vraiment bien foutu. Hop. C'est grimpé là-haut.
continue. On récupère des armes, allez, on va se fighter. Voilà, vraiment les combos, moi j'aime bien, ils sont superbes. Et voilà. Et on continue. Ah, inspecte les paniers et autres zones allumées, tu peux y trouver des objets. Lorsqu'un petit panier s'affiche sur la carte, il indique qu'un trésor se trouve à proximité, cherchez-le. Balle santé acquise. Voilà, faut passer par en haut apparemment. Et la flèche démarrée. Hop. C'est un peu bizarre comme le retour. Moi j'aurais mis plutôt continuer. Vraiment un jeu superbe, je sais, je me répète, mais bon, je vous l'avais dit hein, dans le unboxing. Hein. Franchement, ce jeu, c'est une vraie classe. Ah, différents ennemis, des sortes de trolls, là, je sais pas quoi. Alors, encore un. Donc la prise en main, très très facile, hein, je trouve. Et on continue. Changement de décor. Hein. Un épouvantail. Regardez-moi ça. Ces collines colorées. Ah. Démarrer. Retour. Bambou 2 acquise. Ah oui, on peut voir qu'en haut à droite, il y a écrit bambou x5. Ensuite, en haut à gauche, je pense que c'est ma barre de vie. Donc là, au milieu, bah, c'est la barre du sabre, hein, on l'avait vu. Ensuite, en bas à droite, c'est les pièces. Ensuite, les pépites d'or. Et en bas à gauche, des petits sacs de boules de riz, je sais pas. Démarrer, hop, on continue, hein. C'est pas mal la petite carte, oula, se fait attaquer là, c'est pas mal la petite carte au milieu, et voilà, donc c'est bien des ennemis comme ça qui apparaissent, c'est vraiment très coloré, allez, les autres ennemis encore une fois, ah, les samouraïs sont très efficaces, sur PC. Continue. Voilà, les âmes. Donc là, ma barre de vie est full. La barre du sabre. Oula, une... Donc là il y a un petit drapeau rouge, je pense que ça symbolise le... Oula, plein d'ennemis, allez, dans le tas. Et toi je vous dis que vous parlez.
continue. Et voilà. Je pense qu'on va aller à la fin du niveau et on va se quitter là-dessus. Pour cette vidéo direct live sur le jeu Muramasa The Demon Blade. Avoue-moi, c'est encore un superbe changement de décor. Vraiment, les couleurs qui pètent du feu de Dieu. Là, on peut visiter. Hop. Et voilà, bol de santé acquise. Donc voilà, quand c'est bleu, à mon avis, ça veut dire qu'on a déjà été. Bol de santé acquise. On continue. Encore des âmes, enfin, des ennemis, encore des autres ennemis, je trouve que là beaucoup c'est bien. Regardez-moi ce super combo qu'on voit dans le temps. Voilà, on continue. Oula, la caméra, ça fait bizarre, ça tourne. Superbe petits effets là de fumée, c'est ça. Poste de contrôle, en examinant les lieux allumés en bleu, tu peux sauvegarder ton aventure et récupérer du feu vital ou du pouvoir de l'âme. Ah, pour sauvegarder. N'oublie jamais de sauvegarder. Voilà. Donc. Les données, voilà, c'est sauvegardé. Bon, voilà, bah écoutez, on va se quitter là-dessus. Donc, c'était la vidéo direct live du jeu Muramasa The Demon Blade sur Wii. Alors, un superbe jeu. Moi, franchement, j'adore. Car vous avez vu les combos, on est bien dans l'ambiance Jap, Ninja et Enko, quoi. Donc, voilà. Un superbe jeu, je suis vraiment content de l'avoir, hein. Depuis le temps que je l'attends, vraiment le jour où j'avais vu la vidéo sur Back in Toys TV, j'ai halluciné. Donc voilà, donc petite dédicace à The Axel Banco, The Psychomantis 13, Cherry Wesker, au Testeur du Dimanche, à Doudou Galak, au Nanté 4400, à Lucio 8400, à Robin Libro One, à Akimoto FR, Vince Daft Punk, à Rickins Emma Harris, au Nono 230, à Nono 230-181, pardon, au Gibril 680, et n'oubliez pas notre page Facebook, la référence des testeurs de jeux vidéo. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine, bye!